Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de Henny à propos du match Lyon-Marseille. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ce soir, c'est pas un match, c'est du catch. Ce soir, c'est catch. Les gars, c'est le jour J, c'est le jour JJ, l'Olympico. Ce soir, ça va être l'Olympicro. Les Marseillais, on a les crocs. La vie de ma mère, on va les manger, les gars. C'est pas un Olympico, c'est un Olympique-nique. On va y aller faire un pique-nique. On va bouffer du lion ce soir. Il y a du lion au menu. La vie de ma mère, tac. Comme ça, le résumé du match. Wallon bouffe du lion. Par la crinière, on vous prend. On va gagner. On gagne ce soir. On gagne. Vous voulez qu'on respecte l'Olympique lyonnais alors que eux-mêmes, ils se respectent pas entre eux. Wallah, qu'il y a des tensions dans le groupe. Ça montre qu'ils ont peur de Marseille, les gars. Wallah, ils sont en train de se manger entre eux. Boateng, il est parti voir Ryan Cherki. Wallah, t'as 18 ans. Je pourrais être ton père. Tu me dois le respect. Le respect, mais plus personne te respecte. Boateng, depuis ce que t'as fait Lionel Messi, voilà, ce jour-là t'es pas tombé, t'as titubé, voilà, le mec d'Ondorgan, il a fait tomber un rein, la vie de ma mère, c'est vrai, et tu fais la morale à Ryan Cherki, et arrête un peu toi, Boateng, en tong sur le terrain, Payet il va te faire ça, psst, psst, juste tu lui fais ça, voilà, il tombe les gars, il est trop nul ce défenseur, la défense de Lyon les gars, c'est une autoroute sans péage. Droit au but, il y a un boulevard vers la Ligue des Champions. Il faut pas. Donc, furieux à cause de la réponse du joueur formé à l'Olympique lyonnais, etc. Pour rappel, il n'y a pas eu qu'un seul incident entre les joueurs lyonnais. Ça se bat pour un pénalty. Les gars, Boateng, il s'en prend à Ryan Cherki, à Léo Dubois. Oh, c'est à Léo Messi qu'il fallait s'en prendre. Pourquoi tu remets tes nerfs sur Ryan Cherki? Voilà, il t'a rien fait, lui. La vie de ma mère. Eh, c'est ça, les gars. Voilà, oh, Boateng. Le jour, ils vont lui dire, ouais, est-ce que vous êtes prêt à faire du don d'organes? Ouais, je veux bien, mais j'en ai plus. J'ai plus de reins. La vie de ma mère. On me les a pris. Arrête un peu. T'es nul, Boateng. Payet, ce soir, il va juste faire ça. Il va arriver face à Boateng. Hein? Un avion? Où ça? Il va passer, il va marquer. Voilà. Regardez, j'ai le maillot de qui, les gars? Voilà, un joueur de l'OM qui est parti à Lyon. Un déserteur, les gars. La vie de ma mère, il a vraiment porté. C'est le vrai maillot officiel de Ligue 1. Bon, déjà, c'est pas Valbuena. Valbuena, c'est à 8 ans, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Un coulé, il a coulé, les gars. La vie de ma mère. Ça, c'était à l'époque, les gars. Moi, j'avais demandé le maillot de Nkoulou. Entre-temps, il est parti à Lyon. Ils me l'ont envoyé quand même. Tu crois, j'en veux de ton maillot de merde. Je ne l'ai jamais ressorti de mon placard, les gars. Voilà. J'attendais une occasion. J'ai même pas envie de le toucher sans mes gants. La vie de ma mère. Et je sais pas comment il va finir sur ce maillot, les gars. Pas sur moi, en tout cas. Si on perd, je le brûle. Si on gagne, je le brûle. Soir, les gars, il faut pas juste gagner, il faut les punir. J'ai pas oublié en 2018 quand l'OM ils ont perdu la finale dans leur stade maudit. Oh là, j'en suis sûr, ils ont mis un sort dans les cages, quelque chose, les gars. Oh, ce jour-là, tout le stade il était rempli de supporters de Lyon. Oh là, pour tout ça, pour encourager l'Atlético Madrid. J'ai pas oublié ça. Et juste pour ça, les gars, on va vous écraser ce soir. Sur la vie de ma mère. Si Marseille y perd contre Lyon ce soir, oh là, je m'engage à porter votre maillot pendant un mois. La vie de ma mère, pendant un mois, je le porte tous les jours. En plus, il y a Nkoulou le traître dessus. La vie de ma mère, les gars. Un mois, je le porte sur moi, les gars. Oh là, je sais que je vais avoir des boutons. Je sais que je vais attraper quelque chose, sûrement, les gars. Mais je le fais. Mais on va gagner, les gars. Je suis confiant. On gagne ce soir. On gagne! Mais ce soir, je suis sur Winamax TV. Ça va être la folie, les gars. Je crois que je vais craquer un fumigène dans les studios Winamax. Voilà. Là, ils ont peur, hein, chez Winamax. Ils sont en train de désinstaller les télés. Le temps que j'y vais, là. Ils enlèvent les télés, ils mettent des protections. Voilà. Mais le pire, c'est quoi? C'est que je commente avec un Lyonnais. Voilà, les gars. Un Lyonnais, un pur Lyonnais, les frères. Même pas, je lui dis bonjour quand je le vois. Reste à ta place. Momo, tu veux un café? Non, merci. J'ai peur que tu m'empoisonnes. J'ai pas confiance. Et le pire, c'est que les deux commentateurs, on est séparés par une vitre. Imaginez si l'OM se prend un but. Dans quel état elle va finir la vitre, les gars? Oula!
Je vais la balarguer, elle va finir à Vitry, la vitre. Vous allez voir. De toute façon, je suis confiant. Je vous ai dit, les gars, chez Winamax, je prends le maillot de Lyon avec moi. Et si on perd, je porte le maillot pendant un mois. Et ça commence dès ce soir, les gars. Mais je suis très confiant. Oh là, les favoris. J'ai jamais été aussi confiant pour un match. La vie. Donc, par rapport à la finale, je pense qu'ils ont enterré des œufs sous les buts, voire un poulet, voilà, dans le stade de Lyon, pour la finale 2018. Petite info. La base, la PS5. Je vais me faire un bon Olympico. Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, deux grands clubs français. Là, chez Winamax, ils sont inconscients, les gars. Regardez-moi ça. Regardez le boss final, placé juste là au bon endroit. En plus, il y a une chaise. Je vois déjà la scène. La chaise sur la télé, les gars. La vie de ma mère, elle est plus grande que Lyon, la télé. C'est un truc de malade. Les amis, ce soir, c'est match! Match! Le boss final. La finale. Je pense que bah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là tout seul. Venez, toi aussi, viens là. Je pense que c'est important d'avoir quelques phases de possession quand même et d'avoir des joueurs capables. Coup de boue. Poirier retourné. Ah, je vais la finir, ça. Tu peux garder le ballon et récupérer. Tu peux pas suivre. Viens, Kaba, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Je crois que j'ai perdu une télé, moi. Discipline, il est recordman casser des télé. Recordman mondial de casser télé. Elle a peur de moi, la télé, les gars. Oh, regardez, elle bug et tout, les gars. Ils ont la peur. Mais oui, elle flippe. Il y a de quoi? Elle a peur de moi, la télé, les gars. Oh, excuse-moi. Tu sais pas où je peux trouver un instanteur ici? Un bah, au cas où, si je brûle le studio tout à l'heure, si on perd, tu sais pas où je peux trouver ça? Putain. Ah ben là, c'est bon. Ouais. Mais voilà, c'est bon, c'est réglé. C'est comment il marche? Ça doit pas être compliqué, ça. Voilà, les gars, au cas où. Si le studio, il crame. Il y a ce qu'il faut, les gars. C'est bon, il y a tout qui est prêt. Instanteur. Télé gigantesque. Là, j'attends juste le commentateur lyonnais, les gars. Lui, je l'attends de pied ferme. Ah non, je croyais que c'était lui. Je croyais que c'était Najib, là. Non, Najib, il est là-bas. Lui, les gars, c'est mon préféré, les gars. C'est le deuxième plus grand fan de Nasri après moi. C'est vrai. Ou alors Execo. On est que deux. Ah, on est deux d'ailleurs. Voilà, on est deux. Non, trois. Mais ça fait plaisir. Trois. Je croyais être le seul. Trois. Non, voilà, c'est vrai. Moi aussi. Toi aussi, je croyais être le seul. Moi aussi, je croyais que j'étais seul. Voilà, on est deux, les gars. Deux. Pour ça, je Wally de Momo. Wally de Momo. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Wally Mo, les gars, ça suffit. Ah, Nasri jouait bien, j'avoue. J'ai même regardé ses matchs à Arsenal, à Manchester. C'est parti, on vous attend sur Winamax TV. C'est parti, ne parle pas ce soir, je te connais pas, je te connais. C'est parti, on vous attend sur Winamax TV. Ouais, les gars, c'est la victoire de Marseille, hein. Par forfait. Oh là, disqualifié Lyon, je suis désolé, la vie de ma mère, ça me dégoûte ça. Oh là, je comprends pas. Oh là. Ah, je suis dégoûté. Eh, ils ont eu peur, à mon avis, ils avaient peur, ils préfèrent jeter un projectile. À Marseille, on joue le champion de project. À Lyon, ils jouent le champion de projectile, les gars. Oh là, la vie de ma mère dégoûte. Il a duré 3 minutes. 3 minutes, les gars. Heureusement que Ousmane Dembélé, il joue pas. Hein. Il serait arrivé en retard. Oh là, il serait arrivé, il n'y a personne. Je me suis trompé de jour. Qu'est-ce qui se passe? Non, on joue à domicile, on joue pas à l'extérieur. Oh là, Dembélé serait arrivé en retard, les gars. Eh, dégoûté, la vie de ma. Là, Jean-Michel Aulas, pourquoi il réagit pas? Mais je suis con. C'est lui qui a jeté la bouteille sur Payet. La vie de ma mère, j'en suis sûr. J'en suis sûr, c'est Jean-Mimi, frère. Oh là, la vie de ma mère, ses petites lunettes de vue, je le vois bien se cacher comme ça. Petite bouteille, voilà frère. À la rigueur, envoyer une bouteille de coca. Payet, il la prend, il la boit, il la pose, il tire le corner, non? J'avais un petit débat avec Najib. Najib, il me disait, il comprenait pas que les joueurs de l'OM ne soient pas solidaires avec Payet, que eux aussi n'arrêtaient pas le match. Mais moi, je voudrais rajouter un truc, les gars. Je comprends pas que les joueurs de Lyon ne soient pas solidaires avec les joueurs de l'OM, bordel. Faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Faut arrêter. Oh, tous solidaires contre le racisme. Tous solidaires contre la violence. Tous solidaires contre le sexisme, les gars. La vie de ma mère. Ah, regardez-moi ça. Ils sont en train de faire comme Nice, les gars. Et les joueurs de l'OM, ils rentrent pas. Voilà, ils vont dire l'OM, forfait, ils veulent pas jouer. C'est pas qu'ils veulent pas jouer, les gars. C'est qu'ils peuvent pas jouer. Ils peuvent pas, frère. C'est quoi? C'est du lin. Oh. C'est jouer aux fléchettes, en fait. L'OM, c'est les cibles. Allez, le premier qui touche Payet. Arrêtez, les gars.
C'est pas comme ça. Oh là. Je pense qu'ils vont jouer, moi. Sampaoli, frère, il va aller se battre avec eux, frère. Son crâne. Eh, le crâne à Sampaoli, quand il brille, les gars. Attention. Ah, c'est qu'il est énervé. Coup de boule. Coup de boule. Eh, c'est ça, les gars, maintenant. Démolé cela, mais arrêtez un peu, arrêtez votre cinéma. Vous avez un joueur qui est traumatisé, un père de famille, les gars. Oh, derrière Payet, les gars, oh, il y a un être humain. Bon, un sanglier, les gars, un sanglier, mais derrière le sanglier, il y a un être humain. Oh là, faut arrêter. C'est normal que les Lyonnais veulent reprendre, les gars. Ils savent qu'ils vont avoir une grosse sanction, ils le savent, les gars. Les joueurs de l'OM, ils n'ont aucun intérêt à reprendre. C'est quoi leur motivation? Se faire lyncher? Voilà. Parce que là, c'est là, ils se reçoivent des bouteilles d'eau, mais bientôt ils vont recevoir quoi? Des grenades, frère. Voilà, bientôt lance-roquette, frère, du lance-paillette, frère. Non, grave. Grave, grave, les gars. Moi, je dis que voilà, faudrait même sortir Lyon de la Ligue 1. Sanction, Najib. Regardez, les gars. Ouais, quand même un peu loin. Najib. Najib. Il faut sortir de la Ligue 1. Il faut un exemple. Oui, mais peut-être. Sinon, on les passe au championnat belge quelques mois pour les calmer un peu, mais il faut faire quelque chose. Je suis désolé. Réagir avec Najib, les gars, ben, vu qu'on fait pas le direct. Ah ouais. Mais tu dis ça, Najib. Mais dans le foot amateur, moi j'ai joué au foot amateur. Dès qu'il y a un envahissement de terrain, dès qu'il y a une bagarre générale, je te promets qu'ils te font sauter des trois divisions. La vie de ma mère. Mais là, c'est pas la même chose. On parle de football professionnel. Tu t'imagines bien que tu peux pas enlever. Un amateur, ça veut dire qu'on peut plus. Non, mais arrête, arrête. C'est bon. Attends, que ce soit du foot amateur, ça reste du football. Ça reste du football. Ça reste du football. Pourquoi un footballeur amateur devrait. Alors qu'il n'est pas payé, alors qu'il n'a aucun avantage de la vie de footballeur, le mec il a deux boulots. Dites-lui s'il vous plaît qu'il va un peu trop loin. On va quand même pas enlever Lyon du championnat français quand même. Comme il dit Tony Montana, je vais nulle part. Toi tu dégages. Comme il dit. Les gars, je vais me battre avec lui. Il prend trop parti. Voilà les gars. Il dit oui, je suis d'accord que c'est grave, mais il veut pas de sanction exemplaire. Sanction exemplaire. Voilà. Expulsé de la Ligue 1. Il faut frapper fort la LFP. La FDP, là. Que contre l'OM, vous faites des sanctions. Il y en a marre de vous aussi. Non, mais la TVA s'en sort bien pour cette fois-ci, les gars. Je te dis à la prochaine. C'est que partie remise. Eh, je suis dégoûté, les gars. C'était pas un Olympico. C'était un Olympicon. La vie de ma mère, des cons en tribune. C'est incroyable, frère. Bientôt, ils vont lancer des grenades sur le terrain. Voilà. Et là, ils disent quoi? Ouais, match reporté. Mais ça va être pourri, le match reporté, les gars. Voilà. Un Olympico à huis clos, c'est pas un Olympico, les gars. C'est un Olé huis clos. C'est pas la même. Arrêtez, les gars. Bientôt des finales de Coupe du Monde à huis clos, on va avoir. Arrêtez. Voilà, les gars. Je suis venu jusqu'à Paname pour commenter 2 minutes d'un match. La vie de ma mère, c'est incroyable. 2 minutes, il a duré le match. Même quand je fais l'amour, je dure plus longtemps, les gars. C'est incroyable, ça. Je dure 3 minutes, au moins. Facile. Large. Large, frère. Une fois, 4 minutes, j'ai fait une fois. Moi, j'avais un peu... Ah, sérieux, les gars. Oh là. C'est quoi ce rafu, frère? Au pire, j'ai rien d'autre de prévu. C'est ça, le pire. Oh là. Ni plan A, ni plan B, ni plan Q, rien. Voilà, maintenant les joueurs de Marseille, ils vont mettre un casque. Ma parole, entre Nice et Lyon. Timo M, les gars, je suis actuellement au virage sud lyonnais, supporter marseillais, vient de se faire arracher sa veste et avait son maillot de l'OM dessous. Il est actuellement en aide respiratoire et a été transporté dans un hôpital lyonnais. Ah, ça c'est grave, ça. Ça c'est grave. Surtout que peut-être qu'il avait rien à voir avec les ultras, tout ça, c'était juste un supporter, un fan. J'attends que le match reprend, ben, il va attendre longtemps. Donc à Nice c'était pareil, c'était un peu pire parce qu'il y avait envahissement de terrain, c'était pas qu'une bouteille. Ouais, mais il l'a reçu sur la tête et ça lui a peut-être fait mal. Je laisse le bénéfice du doute. Quant à Nice, franchement... Quant à Nice, franchement, le match, il avait été reporté. Je me rappelle, il avait été reporté. Donc, ils l'ont rejoué sur terrain neutre. Donc, c'est peut-être ça qui va se passer. C'est peut-être ça l'intérêt. C'est de jouer soit à huis clos, soit sur terrain neutre. Donc, soit jouer à huis clos, soit jouer à terrain neutre. Donc,
Marseille, il y a beaucoup d'incidents de tribune depuis le début du championnat. Il y a à Nice, envahissement de Le terrain. nouveau. Il y a à Lyon, là. Le nouveau. Il y a aussi quand, comment ça s'appelle? Marseille contre Galatasaray, où les supporters des deux camps s'étaient échangés des projectiles et des fumigènes. Et ça fait déjà trois bons petits incidents. Là, par contre, pour le mec, s'il faut, il a rien à voir. C'était un daron de famille. Ça n'a rien à voir avec un ultra. Faut arrêter un moment. Faut arrêter. Même un moment, je me rappelle, j'avais été voir un match de foot et il y avait des hooligans carrément. Et il y en avait un qui s'en était pris à un mec, un daron. Et les autres ultras lui ont dit arrête, arrête. C'est pas parce qu'il a le maillot, c'est un daron. Ça va, tu vois. Ça se voit que c'est un daron, c'est pas un ultra. Voilà, c'est pas un ultra avec qui va en découdre avec toi. Confonds pas daron et ultra, c'est vrai quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.